Elle ne travaille pas et lui est intérimaire. Leurs revenus s'élèvent à 1100 euros net par mois. Résultat, la famille n'est jamais partie en vacances. T'aimerais bien partir en vacances, toi ? Quand ? Non, mais c'est une question. Oui. Et t'aimerais bien aller où ? Si demain je te dis on va en vacances, t'aimerais bien aller où ? En Espagne. Comme ça, c'est. Australie. En Australie. Bon, bah d'accord, voilà. Calme. Cette année, le couple est bien décidé à partir. À défaut de grands voyages en Australie, il compte passer le week-end de Noël en famille dans un parc d'attractions. Coût du séjour, 500 euros. Ils ont 4 mois pour économiser cette somme. Cette année, on est vraiment motivés à essayer de partir moins, en vacances parce qu'on en a besoin. Même moi, j'en ai marre, je veux dire. On voit les années passer. Je vais pas dire que je suis vieux, mais... Voilà, j'ai pas envie d'aller en vacances à 50 ans non plus. Hein. J'ai envie de profiter... un peu là, le temps qu'on est jeune, et puis le temps que mes petits. Ils sont encore petits, quoi. Ce serait bien. Marjorie et Jean-Paul habitent le Nord-Pas-de-Calais, un des départements les plus pauvres de France. Ils bénéficient d'un logement social depuis 6 mois. À l'intérieur, la décoration est plutôt monacale. À cause de leur petit salaire, presque tous les meubles du couple ont été achetés d'occasion ou récupérés chez des amis. Donc là, on est dans l'une des chambres d'une de mes filles. C'est le lit, c'est de la récup. C'est une chambre à 15 euros. Et elle a tout ce qu'il faut, quoi. C'est, bon, elle a le minimum, un lit, une armoire. Elle a un peu de déco, et puis voilà, c'est tout. Canapé, table basse, bureau. Rien que dans leur salon, le couple a ainsi économisé plus de 1000 euros. J'ai un meuble d'aquarium que j'ai acheté sur un site de vente d'occasion sur Internet. Donc l'aquarium me revient à 15 euros et le meuble me revient à 15 euros. Ça fait 30 euros. En sachant qu'un aquarium neuf, il y en a facilement pour 300 euros en animalerie. Quoi. Donc là, le plus gros achat qu'on a fait réellement, c'est la télévision. Parce qu'on voulait un écran plat pour être un peu à la mode, on va dire. Mais on sait très bien qu'on la changera pas tous les ans. C'est le gros investissement de la maison, quoi. Mm. Et cette télé, on l'a achetée avec l'argent qu'on a reçu à notre mariage. S'ils ne peuvent pas investir, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à mettre un euro de côté. C'est Marjorie qui tient les comptes et chaque mois, le constat est sans appel. C'est fatigant d'arriver, voilà, le 4, on a nos sous, le 5, on a les factures, le 6, tout, enfin, on fait les courses et le 7, il n'y a plus rien. C'est déprimant. Allocation et aide au logement comprises, le couple gagne 2000 euros par mois. Mais une fois le loyer de 630 euros et les nombreuses factures payées, il ne leur reste pour vivre que 550 euros, soit 3 euros par jour et par personne. On aimerait bien finir les fins de mois avec un peu de sous dans notre poche, quoi. Même si c'est une quinzaine d'euros. Et des fois, on se dit que c'est injuste.